elle est là. Fantastique. Merci Véronique d'être venue. Venez, je vous en prie, descendez ce grand escalier. Vous allez bien, Véronique ? Très bien, bonjour. Vous êtes très émue d'être là ce soir. C'est la première fois que vous passez à la télévision. Oui, exactement. Et vous avez accepté de chanter nu pour André. C'est cela, oui. C'est pour lui et pour notre plaisir à nous, téléspectateurs du Narcisse au Show. Oui. Alors, je vous laisse chanter, puis nous parlerons après ensemble. Vous voulez bien ? Oui. À tout de suite. T'avais un peu de peine, j'ai voulu l'effrayer. Habillé en sirène, au parfum dénudé, allongé par terre dans la cuisine. On a joué à cache-cache entre sofa et piano. Pourtant, il faut que tu saches que ça m'a mis KO. Me voilà couché, un grog à la main. Sirène en rendant, j'ai changé de liqueur. J'ai plus de voix et je suis pas. J'ai l'air d'avoir mangé tout le Mont Blanc et ses skieurs. Je suis glace d'Antarctique au soleil des tropiques. La fièvre tous les matins m'accompagne dans mon bain. La foule est partie, je suis seule au lit. Bon, 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 ma tête est une noix de coco. Venez Véronique, venez vers moi, nous allons parler un peu. Vous avez accepté de venir chanter nu pour André Durieux malgré les menaces qu'il vous a envoyées, des fessées. Vous étiez habitué à ça ? Oui. Alors il a fait exprès de vous faire passer le permis au moins 6 ou 7 fois, il me l'a raconté, pour que vous le loupiez, pour que vous preniez des cours exprès pour qu'il soit à côté de vous. Oui, pour me revoir assez souvent, oui. C'est fou ça comme histoire. Et puis en plus il vous emmenait à la campagne, dans les bois, il vous faisait faire des créneaux entre deux arbres. Oui, il ouvrait assez souvent la fenêtre en me disant « Regardez comme c'est beau, la campagne, les petits oiseaux. » Et vous passez la main sur la cuisse. Exactement, il en profitait un peu. Vous êtes vraiment fou, hein, André Durieux, en fait. C'est incroyable, vous ne m'avez pas dit tout ça. Alors, il était très content à l'idée de vous revoir parce qu'il vous avait perdu de vue. Moi, je vous ai retrouvé à l'aide de mon équipe et il a voulu vous faire un cadeau. C'est le symbole des centaines de kilomètres que vous avez parcourus avec lui. La voiture sur laquelle vous avez appris à conduire a eu un accident, mais nous en avons retiré ses vestiges. C'est une pédale. Pédale de frein, je crois, que nous montrons à la caméra numéro 4 de Didier Barzoni, s'il veut bien serrer, ainsi qu'un volant que vous avez tenu pendant ô combien d'heures de cours. Vous vous souvenez de ce volant ? Oui, je me souviens du volant, oui. Et vous allez emporter un autre cadeau, c'est celui du Narcisse au Show. Marie-Alice. Alors, un chalet canadien. Vous ne voulez toujours pas vous mettre nu, c'est sûr. Ah oui, complètement sûr. Bon, bon, je voudrais rassurer pour que téléspectateurs ne croient pas que ça vient de moi. Un chalet canadien aux deux Alpes où vous aurez du plaisir à recevoir vos amis, respirer le grand air grâce au chalet canadien courte manche. Formidable. À moins que Véronique ne choisisse... L'enveloppe surprise. Alors, que choisissez-vous, Véronique, l'enveloppe surprise ou le chalet ? L'enveloppe surprise. C'est sûr ? C'est sûr, oui. Alors, l'enveloppe surprise, voici. Elle est ici, elle est à vous. Peut-être que Marie-Alice va vous aider. Vous aurez ce volant et cette pédale. Nous allons l'ouvrir devant, sur le podium central du 109. En attendant, vous aurez un magnifique bouquet de fleurs qui vous est offert par Floratel. Floratel, c'est notre partenaire habituel. Floratel, des fleurs que pour elle. Floratel, le partenaire de vos histoires d'amour. Floratel, 1263 points de vente dans le monde. Vous voulez ouvrir l'enveloppe et nous dire ce que vous avez gagné, s'il vous plaît. Un bouton de chemise de la première tournée française de Marcel Amont. Ça doit être dans les années 50. Vous aimez Marcel Amont ? J'adore. Fantastique, un bouton de chemise. Ça aussi, c'est la puissance du Narcisse au Show, faire se retrouver les gens, les objets, l'amour.
On se dit au revoir. Merci d'être venu. Merci à André de nous avoir raconté cette passionnante histoire. À bientôt à tous et à tous. Au revoir.